Frédéric Guillettard, bonjour. Bonjour. Merci de faire l'amitié aux auditeurs de Cher Client de venir nous parler d'une entreprise qu'on connaît peu finalement, qui s'appelle l'IRECO. L'IRECO, on se dit, tiens, c'est la lecture économique. En fait, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, l'IRECO, c'est une entreprise familiale qui a 85 ans, une entreprise française. Une entreprise qui a été fondée par la famille Gaspard au début du siècle dernier. Et de cette papeterie, à l'origine, est devenue un leader européen de la fourniture de bureaux. Aujourd'hui, l'IRECO est présent dans plus de 37 pays, 5 continents. C'est devenu une entreprise phare en matière de fourniture de bureaux. On a une approche plutôt contract, hein, donc on est en B2B, business to business, et l'IRECO a l'ambition de devenir un acteur majeur de ce métier de la fourniture de bureaux. C'est un acteur mondial dont vous parlez, la France pour vous est un terrain qui est devenu trop petit, et donc vous avez élargi le terrain de chasse. Effectivement, le périmètre s'est élargi, la France reste la filiale phare, la plus grosse filiale du groupe. Aujourd'hui, la France, c'est 2000 collaborateurs, plus de 2000 collaborateurs, et le groupe détient 10 000 personnes. Ah oui, d'accord. Donc 10 000 personnes dans le monde, 2 000 en France. Tout à fait. Donc, par exemple, vous êtes implanté en Europe, en Amérique du Nord, en Australie. C'est exact. Les continents majeurs sont représentés. Ensuite, nous avons des alliances avec des partenaires sur des territoires tels que les États-Unis, où l'IRECO a souhaité développer un partenariat, des alliances, mais les zones que vous avez mentionnées sont effectivement représentées par l'IRECO. Alors c'est-à-dire que parfois vous êtes en propre, parfois vous êtes en partenariat. C'est exact. Alors, mais la majorité du territoire est effectivement couvert par l'IRECO indirect. En direct. Ah oui. Donc, en reparler, de voir en quoi ça consiste. Et donc, votre champ à vous, vous êtes le responsable de la relation client. Depuis combien de temps vous êtes arrivé là, quand et comment? Alors, un parcours où j'ai fait, après des études commerciales, je suis entré dans le monde du travail d'abord comme commercial, en B2C. Ensuite, je suis entré dans l'univers bancaire. Et pour entrer chez Cofidis dans l'univers de la relation client, et ça date d'il y a 15 ans. D'accord. Et je suis arrivé chez l'IRECO en 2000 en tant que patron des plateformes téléphoniques. 12 ans déjà. 12 ans déjà chez l'IRECO, et où ce métier a forcément évolué, où ce métier s'est enrichi avec les nouveaux médias. Donc vous êtes recruté pour être responsable des plateforme d'appel téléphonique, c'est exact. De prise de commande, j'imagine. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez élargi votre périmètre d'intervention aux autres canaux, j'imagine. Exactement. Alors, à l'époque, les canaux étaient représentés, certains canaux, peut-être pas les canaux électroniques, hein, on était dans les années 2000 encore sur des créneaux papier ou téléphone. Donc, en 2000, le média téléphonique est pesait énormément sur l'activité de l'IRECO. Aujourd'hui, comme vous l'avez mis en avant, les nouveaux médias sont arrivés et on a effectivement structuré de manière à gérer tout un périmètre où le client, on lui laisse le choix d'entrer chez l'IRECO avec le média qu'il souhaite, soit téléphonique, bien sûr, soit électronique ou encore papier, puisqu'on a encore des clients qui sont très... Catalogue papier. Très attachés à... C'est plutôt des combinaisons des choses. Les gens qui ont un catalogue papier ne vont pas vous commander par courrier. Enfin, j'imagine qu'ils le font par courrier. Non, mais restent attachés au fax, par exemple. Ils nous envoient la commande par fax, parce que le client a encore besoin d'une validation manuelle de son patron et va nous faxer le document. Et ce sont mes équipes qui réceptionnent cette commande fax
et enregistre eh bien, dans notre système informatique. Rassurez-nous, vous avez arrêté avec le Minitel, non? C'est... Oui, oui, le Minitel est définitivement mort et enterré, tout à fait. D'accord. Allez, c'est, on n'a pas pensé, on pense moins au fax. Oui, on pense moins, mais il existe aussi et il pèse encore un, Quelque part, c'est... Alors, le fax décline par rapport, mais il pèse 12 à 15% de notre activité, tout à fait. C'est fou ça, d'accord. La relation client, vous êtes en B2B, oui. Vous avez affaire à des gens qui sont, vos interlocuteurs, ce sont les responsables des achats, des moyens généraux, Alors, nous avons deux cibles clients, la clientèle corporate, grand compte, la clientèle PME-PMI. Alors effectivement, sur la clientèle corporate, nous avons affaire bien sûr à des utilisateurs implantés sur toute la France, mais parfois vous avez aussi quelques acheteurs en ligne. Par contre, sur la cible PME-PMI, nous avons la secrétaire qui commande pour la PME. Vous avez à la fois des gens qui sont structurés avec des procédures d'achat l'année, etc. Et puis des gens qui fonctionnent plutôt en one-shot. Exactement. D'accord. Vous êtes présent, il y a plein de questions qui nous viennent bien sûr. Vous êtes implanté sur beaucoup de continents, beaucoup de pays, 27 pays. Vous avez structuré, c'est unifié, vous avez centralisé la gestion des commandes dans toutes les langues et vous échangez au téléphone dans 27 langues. Oui, et depuis la France ou c'est alors, dans chaque pays, comment ça se Alors, chaque pays a son propre service client, mais bien sûr avec les mêmes pratiques. D'accord. Les best practices sont développées au sein de l'IRECO Group et étayées au sein de chaque filiale. Alors comment vous avez fait ça? C'est vous qui avez mis ça en place? Non, non, c'est une réflexion et un travail qui est généré par le groupe, l'IRECO Group. Bien sûr, au sein des filiales, eh bien, vous avez des filiales parfois test. La France est sur certaines activités et donc nous sommes amenés à tester certaines procédures et dès lors que la procédure est validée, elle est dupliquée à l'ensemble des filiales avec quelques nuances culturelles parfois bien sûr. Par exemple, à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous pourriez nous... Par exemple, sur certaines catégories de produits, on va retrouver telle typologie de produits en France qu'on ne retrouvera pas forcément en Asie ou autre. Eh bien, selon la particularité du produit, le process sera dupliqué ou non au pays même. Ce qu'on se dit, c'est du B2B, donc en gros, on est dans un univers un peu aseptisé, standardisé, stéréotypé, où les gens achètent des fournitures de bureau qui sont des contingences matérielles dont on a besoin et auxquelles on ne prête pas forcément tant attention que ça. Il y a des différences culturelles par rapport à ce que les gens consomment, la manière dont ils achètent. Par exemple, il y a des pays où il n'y a plus du tout de fax, des pays où c'est tout Internet. Vous mesurez ces différences? Vous en parlez forcément entre les différents responsables? Alors, en parler entre les différents responsables, non. Par contre, centraliser l'information qui émane des différents pays, oui, effectivement. Et ça se situe au niveau du groupe, au niveau de la structure groupe, l'IRECO. Par contre, au niveau des filiales, nous avons notre activité à gérer au quotidien. Et en ce qui concerne, dans mon périmètre, la France, où on fait remonter certaines particularités ou autres à nos services marketing, à notre service qualité. Et de là, émettre des process ou non en place en fonction des particularités. Donc, en fait, vous êtes un grossiste, vous achetez pour revendre, un distributeur de fournitures de bureau, tout à fait. Et donc, avec une notion de service, comme j'ai l'habitude de dire, qu'est-ce qui fait la différence entre un stylo l'IRECO et un stylo d'un concurrent? Eh bien, finalement, ça reste un stylo, hormis le prix qui peut être un critère, effectivement, de différenciation, mais c'est bien le service que l'IRECO va apporter au client qui fera réellement la différence. Et donc ça vous le mesurez, c'est quel genre de service? Parce que vous faut livrer en temps et en heure et la bonne commande, le bon produit, le bon stylo et quoi d'autre? Eh bien déjà la disponibilité. J'ai pris l'exemple d'un stylo, mais imaginez demain vous organisez une réunion et que vous avez besoin de tel produit ou de tel papier, on n'est pas en mesure de vous livrer. Vous comprendrez, on perd la commande. Donc déjà avoir une
dynamique logistique hors norme nous permet d'être au plus près de nos clients et de les livrer. Ça passe par quoi? C'est par des entrepôts énormes où vous avez tout en 2000 exemplaires d'avance ou au contraire des accords de très flexibles et très rapides avec vos fournisseurs qui vous... Alors nous avons ces deux dynamiques, hein, ouais. Deux entrepôts en France, pour la structure France, une à Vilaine et l'autre à Digoin, donc en Mayenne, et l'autre en Rhône-Alpes, qui nous permet bien de livrer toute la France. D'accord. Avec un délai de livraison en 24 heures pour 95% de nos clients. Et avec un taux de service, hein, de disponibilité de nos produits qui s'élève à 99,4%, c'est-à-dire aujourd'hui quasiment 100% de nos 6000 références dans le catalogue sont disponibles pour le client pour le lendemain. Il a jusqu'à 18 heures pour passer sa commande et être livré le lendemain. Alors quand vous dites livrer, c'est vous qui livrez, c'est pas vous qui livrez. Nous avons notre propre flotte de livraison, tout à fait. C'est une flotte Lireco. Et vous livrez, c'est vous qui livrez de bout en bout jusqu'au dernier kilomètre. Exactement. Ah, c'est impressionnant ça. Vous direz, vous avez des tournées, combien vous avez de camions? C'est quoi? C'est des camions, des camionnettes, un peu de tout? Oui, oui, on a des camionnettes qui font effectivement les centres-villes et aussi en basse campagne, hein, mais nous développons effectivement cette propre flotte. Aujourd'hui, nous testons aussi des camions, eh bien, soit au gaz, soit à l'électricité, dans certains centres-villes. Hein, nous sommes amenés. Développement durable. Exactement, ouais. Lireco est en pleine mutation par rapport au développement durable et à la volonté de livrer propre. Et on a des indicateurs. Notre force de livraison a aussi des critères, des objectifs sur. Comment livrer plus propre ou faire des économies eh bien, structurantes sur la partie carburant. Donc, voilà. Alors la fidélisation de vos clients, c'est quoi? C'est essayer de faire en sorte qu'ils soient toujours livrés conformément en temps et en heure, ou est-ce que ça, à la limite, ça ne suffit pas et que les clients considèrent que c'est normal et que c'est presque indu et que le voisin fera aussi bien demain matin s'il change à la faveur d'un appel d'offres, quelqu'un est moins cher et du coup leur garantie... Comment ça se passe? C'est évident, vous mettez bien le point là où ça peut faire mal, c'est-à-dire que oui, le client s'habitue au service et en attente de toujours plus, voire parfois même à vouloir dégrader pour faire une économie sur le tarif. Donc trop de service. Trop de service, plus de service, on peut dire. On pourrait, effectivement, mais la volonté de l'Ireco, c'est rester fidèle à cette démarche, à ne pas dégrader le service, mais au contraire, eh bien, démontrer que le service est partie intégrante du métier de la fourniture de bureaux. Et aujourd'hui, c'est un critère de différenciation. Et notre volonté, c'est de continuer notre démarche. Un autre exemple... En termes de relations clients, aujourd'hui, mes équipes eh bien, ont pour objectif eh bien, de développer une accessibilité auprès de nos clients. C'est-à-dire aujourd'hui, vous souhaitez contacter l'Ireco, eh bien, nous avons mis un critère de prise d'appel, enfin de réception en moins de 15 secondes de nos appels téléphoniques. Eh bien, ce critère a été développé dans tout le groupe, l'Ireco World. Et donc aujourd'hui, eh bien, un client qui souhaite nous joindre par téléphone, notre objectif, c'est qu'il soit pris en moins de 15 secondes. Alors vous me tendez la perche pour souligner le fait que vous n'êtes pas un inconnu pour nous, puisque vous avez été dans votre catégorie le lauréat du label Open to Dialogue. Ça veut dire que vous êtes l'entreprise dans votre secteur qui s'est le mieux organisée pour répondre rapidement, aussi bien par mail que par téléphone à vos clients, ce qui est remarquable parce qu'en fait c'est jamais le fruit du hasard, c'est toujours le fruit d'un travail acharné, parce que justement le test n'est pas annoncé, on ne sait pas à quelle période ça se passe, on est testé à plusieurs heures de la journée selon des supports et des canaux différents. Donc c'est vrai que c'est toujours une vraie entreprise performante qui gagne ce label. Mais aujourd'hui, la question qui vient juste après, c'est de se dire, est-ce que c'est toujours gagnant de tendre à la perfection? Ou est-ce qu'au contraire, on ne peut pas imaginer que faire organiser non pas un service premium, mais un service minoré,
plus économique aurait un marché important et vous pourriez dupliquer votre organisation entre un service de très grande qualité et un service de moindre qualité à prix cassé. La question est intéressante, effectivement, mais la stratégie du groupe, c'est d'apporter un service tel que je vous l'ai expliqué précédemment. Et donc, notre volonté aujourd'hui, tel qu'il est décrypté dans certains appels d'offres, c'est d'apporter un meilleur service. D'accord. Quoi qu'il en soit, nos clients sont attachés à vouloir nous joindre rapidement, à vouloir tel service ou tel autre. Et reste attaché à cette approche. Alors vous êtes un groupe très intégré parce qu'en fait vous assurez en interne la réponse téléphonique, vous traitez, c'est vous qui répondez aux mails également. Exactement. C'est vous qui livrez. C'est effectivement un service 100% intégré. Aujourd'hui, un collaborateur entre chez Lireco par la petite porte, hein, peut devenir conseiller commercial et poursuivre un chemin jusqu'à commercial, voire manager, voire sur des services annexes. Donc lui, c'est la force aussi de l'Ireco de pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques. À l'ensemble des problématiques et à garantir aussi auprès du client confort, voire une certaine assurance pour lui d'être géré par des personnes qui ont eu un programme de formation, formées à la culture du groupe. Formées à la culture du groupe, qui passent plusieurs années au process. Et donc ça peut aussi rassurer nos clients. Et vous arrivez alors. Dans la relation client, c'est toujours un peu pareil. Il y a des choses qu'on sait faire parce que c'est notre métier. Et puis, c'est pas toujours évident de le communiquer ou c'est pas forcément. Ça, vous avez l'impression que c'est un critère qui fait la différence dans certains appels d'offres parce que le fait de tout intégrer est une garantie supplémentaire apportée. C'est perçu comme ça par les acheteurs. Alors, pour être parfois en contact avec certains clients, voire certains acheteurs, hein, puisque l'Ireco organise parfois des salons entre nos fournisseurs et nos clients, et nous sommes au milieu pour proposer ces journées d'échange. Pour avoir la chance de participer à ce type de réunion, je confirme que les clients sont plutôt rassurés de voir cette approche globalisée. Exactement. Et lorsqu'ils viennent visiter nos sites, ont de leur propre vision cette organisation quasi millimétrée de notre activité. Alors, et ça peut rassurer. Ça, c'est un point important. Est-ce que, alors, autre question là, je vais plutôt aller du côté de ma paroisse qui est l'externalisation de centres de relations clients. Vous pensez que cette organisation-là, elle serait impossible à mettre en place en externalisé? Si demain matin, par exemple, les centres d'appel interne étaient cédés et que vous deveniez le patron de ces plateformes internes avec des raccordements techniques qui vont bien, le même logiciel, la même connexion, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y aurait une perte de substance quelque part? On pense que oui, chez l'Ireco, c'est vraiment une culture d'entreprise, hein. On pense que oui, on est sûr de rien, forcément, tant qu'on n'a pas testé, mais aujourd'hui la stratégie du groupe, c'est tout intégré. Et c'est une stratégie qui fonctionne. A priori, oui. 85 ans. Et est-ce que vos concurrents font pareil? Alors, nos concurrents ont diverses stratégies. Ouais. Certains ont opté pour la même approche et d'autres... Et donc, vous ne savez pas, c'est quelque chose qui fait que vous êtes en concurrence avec des gens qui ont cette même vision des choses. Oui, tout à fait. Et qui eux aussi sont performants. Sont eux aussi performants sur certaines typologies de services et le sont un peu moins sur d'autres. D'accord. Mais alors, global... C'est quoi la différence? Alors qu'est-ce qui fait votre différence à vous? Donc c'est la perfection. Mais concrètement, est-ce que si on copie votre organisation et qu'on fait pareil, on obtient le même résultat, qu'est-ce qui fait que ça sera difficile à copier pour certains aspects? Parce que c'est une histoire qui est riche de 85 ans, donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu énormément d'étapes pour pouvoir arriver aujourd'hui à ce type d'organisation.
Donc si un jour un concurrent vient nous copier à ce niveau-là, il y aura un certain timing avant ce possible. Est-ce que vous sauriez mettre le doigt, excusez-moi, je vous coupe, mais est-ce que vous sauriez mettre le doigt sur un bénéfice lié au fait que ça fait 85 ans que ça dure? Parce que on imagine que 85 ans d'expérience, ça veut dire des équipes qui ont l'habitude de travailler ensemble, des mécanismes très huilés. Est-ce qu'il y a par exemple un bénéfice, on peut dire voilà, dans tel cas de figure, ça nous a permis de faire mieux telle chose parce que ça faisait justement, il y avait des choses qu'on n'était pas obligé de repenser. Il y a un exemple qui vous vient comme ça pour illustrer? Alors, un exemple par rapport à la concurrence, non. Par contre, dès lors que nous intégrons une nouvelle filiale, le modèle Lireco, donc le modèle est dupliqué à cette filiale qui permet eh bien gagner du temps sur un démarrage. C'est quoi? C'est des solutions informatiques, par exemple, qui par exemple, des solutions informatiques des internalisées. Des procédures très décrites qui n'ont pas traduire à la bonne langue. Quasiment, c'est du cousu-main. Et après, les gens appliquent. Quand les gens se saisissent d'une organisation un peu clé en main, donc là on peut mesurer la différence entre quelque chose qui dure depuis 85 ans et quelque chose qui dure depuis 3 jours. La prise en main, elle se situe sur quelle partie? Alors après, ce sont les hommes qui font la différence, c'est le management, c'est aussi l'accompagnement. Vous avez des structures au niveau groupe, des structures informatiques, des structures managériales qui viennent en support de ces lancements de filiales et qui vont permettre eh bien, d'avancer sur une ligne conductrice qui permettra au plus vite de monter en phase de pression, si vous voulez. Alors, ce qu'on ressent, enfin, ce que je ressens, c'est une vision extrêmement industrielle. C'est-à-dire qu'on a l'impression de quelque chose de très millimétré, avec des processus très normés, très décrits, qu'on peut dupliquer facilement, etc. Et vous êtes en charge de quelque chose qui s'appelle la relation client. Dans relation client, il y a le mot relation. Quelle est la part des choses entre ce qui est très décrit, très strictement applicable, et la partie relationnelle qui est faite de préférences, d'affect, etc. Est-ce qu'il y a une place pour l'affect dans une relation B2B? Je serais tenté de dire oui, on doit laisser aussi une part d'affect. Le client contacte, il a un humain derrière. Il appelle l'Ireco, même s'il utilise un média électronique, derrière il y a des hommes. Et qui dit derrière il y a des hommes, il y a aussi une approche commerciale. Aujourd'hui, le client sait qu'il a différents point de contact avec l'Ireco, mais il a aussi un commercial attitré. D'accord. Donc ce commercial, lui, est aussi son relationnel. C'est le visage ou c'est la voix de l'Ireco. Exactement. Par contre, son commercial, comme cette période estivale est en vacances, eh bien, s'il souhaite appeler à l'Ireco parce qu'il a besoin de renseignements ou il a une commande à passer ou une information sur les produits. Exactement. Son commercial n'étant pas disponible, eh bien, derrière, il aura un humain. D'accord. Il n'aura pas une machine, il aura un humain qui lui permettra eh bien, de répondre à toutes ces questions. Alors, Internet, ça a changé quoi dans votre métier? On imagine que ça a simplifié les choses, mais dans votre organisation, dans la manière de voir culturellement, ça a été quoi cet impact d'Internet? Internet, ça a changé pas mal de choses. Ça a permis aussi aux clients eh bien, d'être un peu plus autonomes et d'avoir eh bien, l'opportunité de découvrir eh bien, tout l'environnement Lireco. Aujourd'hui, notre souhait, c'est d'aller encore un peu plus loin. On est en pleine mutation. Notre site internet, qui était un site institutionnalisé, est un site pas très ergonomique, est en train de changer pour en faire vraiment un site marchand. Et nous sommes en plein déploiement, donc on espère à terme avoir un site vraiment où le client sera comme dans le B2C, vraiment dans un magasin virtuel où il pourra choisir, regarder les produits, créer des environnements de bureau lui permettant eh bien, de faire des choix. Est-ce que tout ça, ce que vous décrivez, est-ce que ça peut avoir une influence sur la nature des produits et des services commercialisés par l'Ireco?
Tout à fait, tout à fait. Parce que le catalogue papier a sa limite. Il est publié une fois ou deux fois par an. Je ne sais pas si c'est comme dans la VPC classique. C'est une fois par an, effectivement. Une fois par an. Et donc, entre-temps, il ne se passe pas grand-chose. Mmh. Alors que l'Internet, on peut mettre à jour en permanence. Et surtout, peut-être aller plus loin dans des présentations. Donc, ça peut peut-être permettre d'intégrer des produits ou des solutions plus techniques, plus élaborées. Donc, vous allez aller plus loin. C'est exactement vrai. Mmh. Aller plus loin pour rendre attractif eh bien, notre vitrine qui permet aux clients eh bien, de se sentir... comme dans son univers avec les produits d'Ireco. Et est-ce qu'on peut imaginer de développer des services qui feraient que les gens n'achèteraient plus de la même manière, ne se feraient plus livrer, mais que vous feriez à leur place? Est-ce que vous pouvez imaginer, je sais pas, grâce à ça, de développer des services que vous réaliseriez pour le compte de vos clients? Aujourd'hui, on n'imagine pas encore tous les services de demain, mais oui, ça fait partie des projets qui sont eh bien, dans les bidons et qui peuvent émerger d'ici quelques années. Un exemple, on a fait le lancement fin juin d'un nouveau catalogue, un catalogue services généraux, où on s'adresse effectivement à une certaine population autre que la secrétaire ou autre que notre interlocuteur classique, mais vers une population ciblée où on propose des produits de services généraux, de produits industriels et autres qui vont répondre à une certaine catégorie de métiers. Ça vous permet de segmenter et montrer que vous connaissez l'environnement et les problématiques d'une catégorie de sites. Disons, on avait déjà quelques produits dans notre catalogue, mais là, c'est élargir cette gamme et proposer eh bien, tout un panel où le client eh bien, se dit bah, « finalement, je commandais pour tel et tel produit chez l'Ireco, bah, maintenant l'Ireco me propose eh bien, tout ce panel, eh bien, je reste chez l'Ireco et je commande un peu plus chez eux. » Et vous avez fait allusion à 6000 références. Oui. C'est-à-dire que vous avez des équipes au téléphone qui doivent être capables de répondre aux questions concernant toutes ces familles de produits, etc. Comment vous traitez ça? Alors, je reviens sur un point que j'ai dit tout à l'heure. C'est aussi l'avantage d'avoir un service intégré. Ce sont des équipes stables, peu de turnover, des équipes qui pratiquent depuis plusieurs années, donc qui ont une connaissance du catalogue. C'est quasiment leur livre de chevet. Ils le manipulent. D'ailleurs, si vous voyez le catalogue, dès qu'il arrive début janvier et tel qu'il finit fin décembre, il est dépouillé, ce catalogue. D'accord. Donc, c'est leur outil de travail. C'est leur outil de travail. Ils la notent, ils mettent des graffitis partout. Des annotations, des index pour retrouver facilement quelques produits. Bien sûr, leur connaissance et leur expérience qui fait une plus grande dextérité. Mais aussi, si on intègre un nouveau collaborateur, eh bien, l'aider à aller plus vite. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi, comme dans tout service client classique, eh bien, des managers, des superviseurs ou des team leaders qui accompagnent, qui forment pour aller plus vite dans la dextérité des produits. On a aussi créé une base de données qui nous permet eh bien, d'avoir toutes les informations qui émanent soit des fournisseurs, soit du service marketing pour avoir cette base enrichie et en temps réel qui permet aux collaborateurs eh bien, d'aller chercher l'information et de la transmettre au client. Alors vous avez fait allusion aussi à une idée que je trouve intéressante, c'est des forums où vos clients, certains de vos clients, rencontrent certains de vos fournisseurs. Oui, on appelle ça les Lireco Day, où c'est une journée en province ou en région parisienne. L'idée est venue d'où? C'est vous ou c'est le client qui a proposé ça, ou vos fournisseurs? Je serais tenté de dire les trois. Les trois ensemble, les capitaine. Les trois ensemble. C'est une idée très, très appréciée de nos clients, appréciée également des fournisseurs. C'est l'occasion unique de mettre tous les parties prenantes dans un même lieu et généralement dans un site assez sympathique où eh bien, cette journée eh bien, permet de toucher du produit, aller sur des stands, on évoquait tout à l'heure le développement durable, eh bien, d'aller sur des stands de développement durable, voir ce que propose l'Ireco, etc., etc.
Vous, le bénéfice, c'est quoi? C'est un bénéfice d'image, c'est un bénéfice aussi de... Parce qu'en fait, vous n'avez pas du tout l'ambition que vos clients achètent directement à vos fournisseurs. Donc, vous, c'est l'idée de montrer l'importance de votre rôle de go-between, justement. Bien sûr. Que vous êtes un assembleur d'offres et vous sélectionnez, vous êtes un peu la caution et la garantie de Oui, et puis ça permet également eh bien, d'être à l'écoute de nos clients. Aujourd'hui, les remontées clients se font soit par deux biais, soit par le commercial en lui-même, soit par nos collaborateurs, nos conseillers commerciaux, au travers de... et on a un autre outil qui est un baromètre de satisfaction, mais généralement c'est pour de la plainte. Oui, oui, oui. Tandis que là, c'est pour aussi des solutions. Ces journées permettent eh bien, de créer des solutions. J'ai participé au Lireco Day précédent sur Paris et j'ai été surpris du nombre de clients nous demandant quand est-ce que vous allez reprendre nos palettes. Ah, c'est oui. Vrai, on livre parfois des palettes de papier et on aimerait que le client nous demande de reprendre cette fameuse palette. Voilà, c'est une chose qui remonte. Peut-être un jour, ça fera partie des services, on livrera le client de papier et on ira rechercher sa palette. On le fait aujourd'hui pour les piles, on le fait aujourd'hui pour ses cartouches. Demain, ce sera peut-être ses cartons d'emballage, ce sera peut-être ses palettes. Voilà, ce sont des pistes qui remontent, des idées qui émanent des clients. La chose dont vous êtes le plus fier? Mes équipes. Hein, ouais. Mes équipes. Hein, le succès, quand j'évoquais tout à l'heure... l'accessibilité, lorsqu'on a gagné ce trophée, eh bien, j'ai une pensée forte pour mes équipes qui se démènent au quotidien eh bien, pour permettre aux clients eh bien, d'être le mieux possible chez Lireco. Donc, j'imagine que vous n'imaginez pas un service client dans quelques années où il n'y aurait plus d'équipe et il n'y aurait plus que du service internet avec du self-care. Non, aujourd'hui, c'est l'humain au service de l'outil. Ouais. Avant, c'était l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'humain au service de l'outil. Pour vous, c'est le facteur clé de succès. Oui, ça. Oui, c'est le facteur clé de succès. C'était un beau mot pour la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.